Le gouvernement provincial pourrait tenir un référendum sur une hausse de 2 % de la TVH d'ici la fin de son mandat en 2014. Les consommateurs que nous avons rencontrés à Caraquet mardi sont inquiets. Puis c'est encore nous autres qui va payer. Qu'est-ce que ça vaut, là, Ottawa, là, ça vaut une réforme nationale de la taxe en général, qui mettent une taxe, qui ôte l'impôt, puis qui arrête de courir après le monde sur le chômage. C'est qu'ils vont aller chercher de l'argent dans toutes les classes de la société encore. Puis peut-être que les gens pauvres vont être encore appauvris. Puis la classe moyenne, bien, elle va encore rester moyenne et aller plus vers le pauvre que... Il n'y a personne qui va s'enrichir avec ça, excepté le gouvernement. En faisant passer la TVH de 13 à 15 % les conservateurs verraient leurs revenus augmenter de 270 millions de dollars. Pour les petits commerces, cette augmentation serait catastrophique. Je suis pas d'accord parce que ça va me tuer. Je paye déjà 3-4 000 à tous les 6 mois. Comment je vais payer les troisièmes prochains mois? Ou la TVH du restauration, elle passe tout de suite manger, là. La direction du centre d'achat Place Saint-Pierre de Caraquet remarque une diminution de sa clientèle depuis la mise en place de la réforme de l'assurance-emploi. Elle croit qu'une augmentation de la taxe serait un autre coup dur. Ça coupe où ça devrait couper, puis ça hausse où ça devrait pas hausser. Le monde, surtout dans la péninsule acadienne, l'économie, elle roule pas tellement. Hein. Ça fait que ça va être très, très dur pour les gens. La loi sur la protection des contribuables oblige le gouvernement à tenir un référendum pour augmenter la taxe. Annie Levasseur, Caraquet.